t'en sors. Jonas, tu fais attention, je vais m'asseoir, d'accord? Tu joues tout seul, tu ne bouges pas? Oui. Promis? Jonas! Jonas! Excusez-moi, vous avez pas vu un petit garçon avec une capuche rouge? Non? Jonas! Excusez-moi, vous avez pas vu un petit garçon avec une capuche rouge? Non? Jonas! Tu m'as fait peur. Je t'avais dit de pas t'éloigner, comme ça t'es un petit malin, hein? Allez. Elle n'a pas de traumatisme, mais elle a subi un gros choc. Je préfère la garder sous sédatif. Voilà. Au revoir. Au revoir, merci. Quatre projectiles tirés sur la voiture. On a la chance qu'elle s'en sorte comme ça. Qu'est-ce qu'elle foutait avec ce type? Tu le connais? Pas du tout. D'après son passeport, il s'appelait Jean-Pierre Valin. Pas de fiche. La voiture appartient à une société de parfums de la région de Florence. Par contre, j'ai appelé là-bas. Et ils connaissent pas Jean-Pierre Valin. Mais non, mais de quoi elle s'est fourrée? Je sais. Je pensais à un truc. Camille et moi, on est sortis en boîte l'autre soir. On s'est fait draguer par un gros lourd. Ça a dégénéré. Le type a fait de la tôle. Tu pourrais le retrouver? Mm-hmm. Alors tu le tamponnes? Ouais. Mais d'abord, j'appelle Albertini. Il faut absolument que la cellule soit saisie pour cet homicide. Non, tu n'appelles personne. Je te rappelle que t'es suspendu. Laisse-moi lui en parler pour Camille. Bah regarde, on dirait que maman est rentrée. Attends, reste là, Jonas. Amalia? Tu restes là, d'accord? Amalia? Absolument, on est en place, les relevés de scène de crime. Est-ce que la police est arrivée? Oui, elle est arrivée, tout le monde était là. On a cerclé le périmètre. Très bien. Je vous rappellerai dès qu'on partira. Bonjour. Madame la vice-procureure. Alors? Votre cousine, ça va? Elle est tirée d'affaire. Elle reste en observation. La victime s'appelle Amalia Albano, 23 ans, 4e année de sciences économiques. Elle a des hématomes sur le visage et à la poitrine, une arcade sourcilière fendue. Elle était étudiante. Elle a un enfant de 4 ans. Il va falloir me prouver que vous êtes toujours les meilleurs malgré l'absence de Saint-Mathieu. Et me retrouver l'ordure qui a fait ça. La victime a été frappée avant d'être étouffée avec ça. Je situe la mort aux alentours de 16h30. En tout cas, elle ne s'est pas laissée faire. Un cambriolage qui a mal tourné? Il n'y a aucune trace d'effraction. Le seul objet de valeur, c'est cet ordinateur, d'après la babysitter. Pas la babysitter. Amalia était ma meilleure amie. Je suis désolée, mademoiselle. Madame, je suis en instance de divorce. Amalia m'hébergeait le temps que je me retourne et en échange, je l'aidais pour Jonas. Vous aussi, vous êtes étudiante, comme Amalia? Non. Non, moi, j'ai été conne, j'ai tout arrêté il y a 3 ans quand je me suis mariée. Et le père du petit Jonas? Amalia est tombée enceinte jeune et elle a décidé d'élever Jonas seule. Elle avait pas de famille? Non. Elle avait plus que son père, mais ils étaient brouillés depuis des années. Et vous savez où on peut trouver le père d'Amalia? Oui, à la base aérienne des Milles. Marcel Albano. Il est mécano là-bas, je crois. Vous inquiétez pas. On va prévenir les services sociaux pour qu'ils s'occupent de Jonas.
De temps qu'on retrouve son grand-père. Non, vous pouvez pas faire ça. On vient de tuer sa maman. Il l'a vue, là, et j'ai pas eu le temps de l'empêcher de voir ça. Vous allez le jeter dans un orphelinat? Mais c'est lui, la victime, merde. Il a rien demandé à personne. Croyez pas que ça me plaise. Mais je... Écoutez, laissez-le moi. Depuis 3 mois, je m'occupe de lui tous les jours. Pensez un peu à lui, s'il vous plaît. Ça pourrait être une solution provisoire, dans l'intérêt de l'enfant. Et puis, ça nous laisse le temps de prendre contact avec son grand-père. D'accord. Merci. Madame la vice-procureure, je peux vous parler? C'est au sujet de l'accident de Camille. Il faut que nous ayons l'affaire. C'est délicat, Bérénice. C'est un membre de ta famille. Camille est juste témoin dans cette affaire. Et victime collatérale, s'il vous plaît. On était les premiers sur la scène de crime. On a les meilleurs atouts pour résoudre l'affaire. C'est vrai. Et dans une enquête criminelle, les premières heures sont capitales. C'est vrai aussi. Ok, allez-y. Merci. Je vous laisse annoncer ça au colonel. Bérénice ? C'est quoi cette histoire avec Albertini? Si tu voulais qu'on enquête sur ta cousine, fallait m'en parler, j'aurais fait le nécessaire. Une douche ensemble et ça y est, on se tutoie? Bien. Vous en êtes où sur le meurtre de Jean-Pierre Valin? J'ai un suspect. Il s'est pris la tête avec Camille l'autre soir, j'étais là. Il s'appelle l'Innocenti. Elle l'a mouché devant ses gars. Albertini savait que c'était votre cousine qui était visée? C'est juste une hypothèse, mais ça colle avec le profil de Santi. Un ex-dollar, violent. Un type comme vous les aimez en salle d'interrogatoire. Une vraie gueule de punching ball. Valin, c'était quoi par rapport à votre cousine? Elle a peut-être rencontré en boîte de nuit. Santi les aura suivis pour se venger. Vous n'avez jamais pensé que ça pouvait être vous, votre père qui était visé à travers votre cousine? Mon colonel, vous voulez me faire plaisir? Arrêtez votre fixette. Le nom de Saint-Mathieu ne porte pas malheur. J'enlève la chaise du commandant. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Le commandant Saint-Mathieu est à l'étage. Vous voulez lui tenir compagnie, Berthier? Non. Bien, l'enquête de voisinage, ça donne quoi, Berthier? Personne n'a rien vu, mon colonel. La victime était appréciée par tout le monde. La fac? Amalia faisait un master en économie et management. Ses profs sont unanimes, une étudiante modèle depuis 4 ans. Modèle. Moi, j'ai aucun revenu régulier. Hein. Pas de job déclaré, pas d'aide de son père non plus. Juste une petite allocation. Comment elle faisait pour payer ses études, son loyer et s'occuper de son fils? Des versements réguliers en espèces sur son compte. Bon, pas assez pour déclencher un signalement pour blanchiment, mais suffisamment pour arrondir ses fins de mois. Elle dealait? On n'a rien retrouvé pendant la perquisition, mais peut-être qu'elle travaillait au noir. Ouais, on peut dire ça comme ça. La réponse est dans son ordinateur, je vous envoie ça. Oh là là! C'est Amalia Albano, ça? Non, c'est Malicia 69, d'après son site. Pas de nom, pas d'adresse, juste un numéro de téléphone par Internet. Elle a eu un rapport sexuel peu de temps avant sa mort. Pas de marque. Pour moi, c'est un rapport consenti. Un petit copain? Ou un client? Un client chez elle? La prostitution occasionnelle, c'est de plus en plus fréquent. Avec la crise des étudiantes où des jeunes femmes au foyer assurent leur fin de mois de cette façon. Ouais, et en plus de ses études, elle devait élever son gosse. Bon. Elle rentre chez elle plus tôt pour recevoir son client. Le type est un malade. Il la frappe et il l'étouffe. Mais je la vois mal recevoir chez elle. Avec Jonas. Lucie qui habite là. En plus, on l'a retrouvée habillée. Non, c'est pas possible. Bien, alors elle couche avec son type ailleurs. Elle s'en va, le type la suit chez elle. Elle le laisse rentrer et ça se termine mal. J'ai des traces de liquide séminal, donc un ADN. On l'aura vite s'il est fiché. Très bien. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous a bien baladé, Bérénice. Lucie Leblanc. Elle ne pouvait pas ignorer les activités de sa meilleure copine. Oui. Berthier, allez la chercher. Très bien. Mon colonel, Marcel Albano est à l'accueil. Il fait un scandale pour voir sa fille. Moi, j'y vais. Faut que je lui parle. Ça n'est pas possible, monsieur Albano. Vous ne pouvez pas la voir maintenant. Notre légiste s'occupe d'elle. M'en fous, c'est ma fille. C'est un pauvre type. 4 ans, je voulais plus lui parler. 4 ans. Laissez-moi rentrer, je vous en supplie. Suivez-moi. Quel est le salopard qui a fait ça? Vous avez des suspects? Pour l'instant, nous ne savons rien, monsieur Albano. Nous cherchons. Vous pouvez peut-être nous aider? Vous saviez qu'elle se prostituait? Quoi?
Je vous ai interdit. Elle avait de grandes ambitions. Et un petit garçon. C'est des conneries. Vous dites n'importe quoi. 4 ans sans voir sa fille, c'est beaucoup, non? Malia avait 20 ans. Pouvait faire des études brillantes. Je voulais pas qu'elle se mûche. C'est un énorme gâchis. Me dites pas. Elle s'est prostituée pour pouvoir l'élever. Dites pas ça. Quel con. Quel con. Elle peut l'aider. Et pour l'enfant? Votre petit-fils? Quoi, l'enfant? Il n'a plus que vous, maintenant. Jonas, va voir le monsieur, il a un truc à te dire. T'es qui, toi? Ton grand-père. Le papa de ta maman. Pourquoi vous nous avez menti, Madame Leblanc? Je voulais pas salir la mémoire d'Amalia. Et vous ne vous êtes pas dit que ça pouvait être important pour l'enquête? L'obstruction est un délit, Madame Leblanc. Je voulais juste protéger Jonas de tout ça. Puis Amalia était pas dingue, elle recevait pas ses clients chez elle. Vous les connaissiez, ses clients? Non, on n'en parlait pas. Bon, arrêtez de me prendre pour un con, Madame Leblanc. Vous étiez sa meilleure amie. Vous n'avez pas envie qu'on arrête le type qui l'a massacré? Bien sûr que si. Mais pourquoi ce serait un de ses clients? Pourquoi pas? Parce qu'elle était hyper prudente avec ça. Elle donnait ses rendez-vous dans un bar sur le Vieux-Port. Elle voyait le mec qui se parlait, s'il y avait le moindre doute, elle se barrait pour le final. Cet après-midi, elle était où avec son client? Je l'ai déjà dit à votre collègue, je croyais qu'elle était à la fac. Excusez-moi, mon colonel, Monsieur Leblanc est venu chercher sa femme. Moi, je croyais que vous étiez séparés. Lucie voulait prendre du recul. Rien de plus. Je peux la voir maintenant? Votre femme nous a dit qu'elle était en instance de divorce. On est obligé de parler de ça? Je suis sur le point de la déférer au parquet pour fausse déclaration. C'est pas possible. Écoutez, Lucie et moi, on traverse une passe difficile. Elle est partie sur un coup de tête et ça fait des semaines que j'essaie de la faire revenir. Alors s'il vous plaît, me l'enlevez pas. Elle y est pour rien. Vous connaissiez les activités d'Amalia? Votre femme vous en avait parlé? Quelles activités? Entrez. Excusez-moi, mon colonel. Merci d'être là. Vous pouvez y aller. Mais vous restez à notre disposition, c'est clair? Eh bien. Mettez-les sur écoute, je les sens pas. J'en ai marre des problèmes des Saint-Mathieu. Tu détruis tous ceux qui t'aiment, Vincent. Alors regarde-moi bien. Regarde-moi bien, parce que c'est la dernière fois. Qu'est-ce que vous faites, Berthier? Vous allez à un mariage? Ah non, vous allez pas vous y mettre aussi, mon colonel. Mais non, c'est rapport à ma tenue de travail en civil. Vous n'aviez pas dit non? J'ai dit que j'allais réfléchir. Ça y est, j'ai réfléchi. C'est non. Ne le prenez pas mal, Berthier. Mais vous et votre uniforme, vous incarnez l'esprit de la gendarmerie. Et j'ai pas le droit de changer ça. On a du nouveau, mon colonel, ça va vous plaire. Tout droit sorti du fichier des délinquants sexuels, je vous présente Pierre Palardo, 52 ans. C'est lui qui a eu le rapport sexuel avec Amalia avant sa mort. Il a été libéré quand? Ah, mais il n'a jamais été condamné. Il s'en est toujours sorti avec du sursis. Et certainement un gros chèque en guise de compensation. Plein de fric, de bons avocats. C'est qui cet enfoiré? Un industriel. Ça, c'est sa femme, héritière d'une des plus grosses fortunes de la région PACA. Toutes ses victimes étaient des étudiantes ou des mères célibataires qui se prostituaient. Vous aviez raison, Paulin. Comment ça me plaire, ce Palardo? D'après son dossier, ça fait 6 ans qu'il se tient tranquille. Qu'il passe à travers les mailles du filet.
Excusez-moi. C'est pour vous, Bérénice. Le suspect que vous m'aviez demandé d'interpeller, l'innocenti, est en salle d'interrogatoire. Allez-y, ça Mathieu. Allez vous changer, Berthier. Quoi, tout de suite, mon colonel ? Oui, maintenant. Putain, mais tu me veux quoi, toi ? T'as pas suffi de me la mettre devant mes potes ? Bah non, tu vois, tu m'as tapé dans l'œil, alors je m'accroche. Dis, on a trouvé beaucoup de fric chez toi. Puis du shit aussi. Consommation perso. Un kilo de shit pour toi tout seul ? Ok, le juge va adorer. Et le 357 Magnum qu'on a trouvé, c'était quoi ? Pour jouer aux cow-boys et aux indiens ? C'était pour me défendre, connasse. Y a plein de gens qui m'en veulent. Oh ! Oh ! Ma cousine est à l'hosto parce qu'un connard l'a prise pour cible mardi soir. T'as rien à me raconter ? T'as rien à me raconter ? J'ai l'air assez con pour shooter des gendarmes, moi. Mardi soir, j'étais dans un bistrot avec des potes. On a regardé le match. Après, on a fêté la victoire. Et arrête de me faire chier, putain ! Tu veux pas m'aider ? Je te déferre au parquet. Un kilo de shit, une arme. Avec tes antécédents, mais t'es foutu, mon gars. Attends. On peut s'arranger, non ? J'ai peut-être un truc pour toi. Je l'ai suivi, ta cousine. Mais c'était juste pour lui faire peur. J'ai pas eu l'occasion, alors j'ai laissé tomber. Mais j'ai vu où elle allait. Dis toujours. Elle s'engouffrait dans une baraque. Elle en est ressortie une heure plus tard avec un mec. C'était lui ? Jean-Pierre Valin ? Ouais, c'est lui, oui. Mais il s'appelle pas Valin, il s'appelle Fabre. Stéphane Fabre. C'est ce qu'il avait marqué sur l'interphone. Je changerai le filtre du robot, si vous avez le temps. Bien, monsieur. Monsieur Pallardo ? Oui, c'est moi, oui. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que ça signifie, ce déploiement de force ? C'est pas la première fois qu'on débarque chez vous. Suivez-moi. Pierre, qu'est-ce qui se passe ? J'en sais rien, Elisabeth, j'en sais rien. La fille que vous avez frappée hier est morte. Ça va être plus compliqué pour acheter son silence. Monsieur Pallardo, on a retrouvé votre ADN sur la victime. Dans la victime, pour être précis. Pierre, j'appelle Maître Cazeneuve ? Non, bien sûr que non, ce ne sera pas la peine. Je suppose que tout ça n'est pas très sérieux. Si, monsieur Pallardo. Et votre garde à vue commence tout de suite. Lâchez-moi. Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Ah ! Chapelle ! Le suspect se débattait, j'ai dû intervenir. Messieurs. Madame. C'est comme ça que tu prépares ton procès ? Je tourne en rond dans cet appartement. Je crois que je vais me mettre au vert. Passer quelques jours à la bergerie, faire des travaux. Ça en a bien besoin. Tu détestes bricoler, papa. Je sais, mais j'ai besoin de me passer les nerfs. Et toi ? Comment ça va depuis mon départ ? Personne n'en parle, à part Berthier, hein, tu le connais, mais tu nous manques, papa. Et pour le meurtre de Valin ? C'est pas le type de la boîte de nuit, l'innocenti. Il a un alibi, Berthier a vérifié. Mais le plus surprenant, c'est que la victime, Jean-Pierre Valin, il n'existe sur aucun fichier. En réalité, il s'appelle Stéphane Fabre. C'est le patron de Floréance. J'ai faxé sa photo, la secrétaire l'a reconnu. Tu me passeras son passeport, j'essaierai de trouver la provenance. Ok. Et puis tu fais une perquisition aussi, chez ce Fabre. Papa ? Mmh. T'as appelé François ? Ouais, mais je suis resté vague au téléphone. Il avait surtout envie de savoir si Camille allait bien. Arthur Morgan. Tu le connais ?
De réputation, mais tu peux pas le prendre comme avocat, hein. Il fait pas de pénal. Ah, ça, je risque pas de le solliciter, c'est... C'est le nouveau mec de Catherine. Pardon? Mais à quoi tu joues? Tu trouves que t'as pas assez d'emmerdes comme ça? Je suis curieux, c'est tout. Allez, file, va. Bien, monsieur Pallardo. Racontez-moi comment et pourquoi vous avez tué Amalia Albano. Bon, dépêchez-vous, j'aime pas perdre mon temps avec des ordures comme vous. Ok. Qu'est-ce que vous faites ? Je vous laisse le choix. Soit vous répondez à mes questions, soit je vous colle en prison. Et je fais courir le bruit que les filles que vous frappez, vous les violez également. Mais restez près de la caméra. Qui doit tourner comme la procédure l'exige. Bien, bah, je vous le laisse. Appelez-moi s'il y a quoi que ce soit. C'est quoi ce bordel? Non, mais il est complètement dingue, votre collègue! Je vais porter plainte. J'ai déjà payé pour mes erreurs passées. En plus de votre ADN, on a retrouvé des fragments de peau sous les ongles d'Amalia. On a retracé votre carte de crédit dans le bar où elle fixait ses rendez-vous. Vous cumulez? J'ai pas dit que je la connaissais pas. Mais je lui ai fait aucun mal. Et ces femmes-là? Vous ne leur avez rien fait non plus? Mais merde, c'est passé, c'est fini. Depuis 6 ans, j'ai fait une thérapie, je suis guéri, j'ai arrêté l'alcool. C'est pour ça que vous continuez à fréquenter les prostituées? Avec Amalia, c'était pas pareil qu'avec les autres. Je l'aimais. Je me disais même que... Ouais, je sais. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça. De toute façon, tout ce qui vous intéresse, c'est de me traîner dans la boue. Amalia et vous êtes sérieux? Elle préférait me voir comme un client, mais je désespérais pas de la faire changer d'avis. Alors je comprends mieux, oui. La patience, c'est pas votre truc. Vous la suivez, vous essayez de la convaincre d'arrêter la prostitution, d'aller vivre avec vous, juste avec vous. Elle vous jette. Mais arrêtez, vous délirez complètement, enfin. On s'est vus à l'hôtel, ensuite elle est partie, moi je suis rentré chez moi, point final. C'est tout? Votre femme veut en témoigner, elle était là? Non, mais je l'ai appelée avec mon portable, vous pourrez vérifier. Amalia, j'aurais jamais pu la tuer. Je l'aimais. Bertie? Oui. Tenez. Voici l'adresse de Stéphane Fabre. C'est le vrai nom du type qui était dans la voiture avec Camille. Vous perquisitionnez à son domicile et à son bureau chez Florence. Très bien, Bérénice. Vous avez une relation étrange avec votre mari? J'ai obéi à mon père, j'étais jeune. J'épousais Pierre, l'homme qui dirigeait cette entreprise. Nous faisons chambre à part depuis 10 ans. Il vous trompe? Je ne peux pas lui interdire d'avoir une vie sexuelle. Du moment qu'il me laisse en paix de ce côté-là. Et vous? Moi, j'ai une maison, une grande famille, et je n'ai aucun goût pour l'aventure. Bon, écoutez, Pierre est innocent. Il a couché avec cette femme, mais il ne l'a certainement pas tuée. Il nous a dit qu'il vous avait téléphoné en quittant Amalia Albano. Il vous a dit quoi? Je ne sais pas, je ne me souviens plus. C'est important, madame Pallardo. Il m'a demandé où j'étais, je faisais du shopping pour me calmer. Et je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai déclenché une nouvelle dispute. À propos de l'ordinateur, et il m'a raccroché au nez. C'était quoi le problème? Je voulais qu'il enlève ses photos cochonnes. Je ne supporte plus de les voir quand je vais sur Internet. Montrez-les-moi, ça m'intéresse. J'ai trouvé ça dans vos photos. Vous connaissez cette fille? C'est une vieille photo, je me souviens plus. Vous ne savez pas qui c'est?
C'est une étudiante. Une occasionnelle, comme Amalia. La photo vient de son site, mais elle doit avoir déjà 3-4 ans. Je l'ai vue, une fois ou deux. Puis après, j'ai rencontré Amalia, alors... Mais j'aimais bien la photo, voilà. Je l'ai gardée. Je me souviens même plus de son pseudo. Pas grave. Nous, on sait. Il y a 4 ans, Lucie et Amalia étaient en première année de fac ensemble. Et elles subvenaient à leurs besoins de la même façon. Quand Amalia a continué à faire ses études et accessoirement à se prostituer, Lucie, elle, a tout laissé tomber pour épouser Didier Leblanc. Quel rapport avec notre affaire ? Didier Leblanc qui était à la fac avec elles deux. Donc il a pu prendre peur quand elle a déposé son sac chez Amalia. D'autant, mon colonel, que la culpabilité de Palardo n'est pas établie, il persiste à nier. On ne va pas le laisser filer comme ça, on a son ADN, ça vaut tous les aveux. Ce qui est troublant, c'est qu'on n'a aucune empreinte, aucun ADN sur la scène de crime elle-même. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y était pas. En tout cas, il dit peut-être la vérité, alors que les Leblanc, on sait qu'ils ont menti. Allez, June, tu fais un gros dodo, hein ? À tout à l'heure. T'as toujours pas réussi à craquer l'ordinateur de Camille ? Je lui ai donné 2-3 astuces pour protéger son ordi, mais je pensais pas qu'elle prendrait tout ça à la lettre. Ah, ça y est, j'accède à sa boîte mail. Ok, d'accord. D'après la date des premiers mails, elle a connu Stéphane Fabre bien avant d'arriver à Marseille. Regarde. C'est François. Il s'est arrangé, il sera là dans 48 heures. Bon, il faut qu'on trouve rapidement ce qui s'est passé entre Camille et Fabre. Et la perquisition ? Rien de spécial au bureau. Par contre, chez lui, on a trouvé des valises bouclées, un billet d'avion pour les Bahamas et surtout des documents bancaires pour des comptes sur place au nom de Valin. Et toi, au niveau du passeport ? Il faisait partie d'une série de passeports vierges volés à la préfecture. Avec le numéro de l'eau, je crois qu'on pourrait remonter jusqu'au faussaire. Ok. Société en faillite, faux papiers, billets d'avion. Je suis sûr que Fab préparait sa disparition. C'est quoi la date sur le billet d'avion ? Fab a été tué la veille de son départ. Tu crois vraiment que ta nièce allait partir avec Stéphane Fab ? J'en sais rien. Cette affaire me dépasse. Et en plus, j'ai même pas le droit de m'en occuper. C'est juste une question de moi, Vincent. Je sais pas, profites-en pour te reposer, pour t'occuper de toi. Je tourne en rond chez moi. Je tiendrai pas 6 mois. Il faut que tu prépares ta défense, et ça, c'est pas rien. T'es un bon avocat, j'espère. T'as des nouvelles de Diane Delange ? Oui, elle a transmis son dossier d'enquête, il est en béton. Ça, c'est bon pour toi. Et j'ai confiance en elle. Elle est de ton côté. En tout cas, conseil d'amis, t'avises pas d'en mettre le couvert avec Diane. Parce que tu crois que j'ai la tête à ça ? Est-ce que tu crois que ça se passe dans la tête ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Ah, allez, viens, on va dîner. Ça y est, Paul a récupéré ses empreintes et son ADN. C'est lui. Ça coïncide avec des empreintes retrouvées au domicile d'Amalia Albano. Il a très bien pu laisser ses empreintes en passant voir sa femme un autre jour. Pas celle-là, retrouvée sur le bracelet de la montre d'Amalia, il lui a tenu les poignets. Il y a 3 ans, Lucie a touché le fond. Se prostituer, elle supportait pas. Amalia, elle gérait, mais pas Lucie. Alors je l'ai soignée, je l'ai aimée, et je vais faire monter la pente. Et pour éviter que ça recommence, vous avez tué sa copine ? J'ai vraiment eu la trouille qu'elle replonge dans cette merde. Alors quand j'ai appris qu'elle s'était barrée chez Amalia, j'ai paniqué, évidemment. Vous êtes allé chez elle et ça s'est mal terminé, on a vos empreintes. Elle disait que je comprenais rien, que Lucie voulait plus me voir. Alors ça a dégénéré. Je l'ai frappée et on s'est battu. Et vous l'avez tuée ? Non, je l'ai pas tuée. Elle est tombée. J'ai flippé, je me suis barré, voilà tout. Écoutez, c'est pas moi, je vous le jure. J'ai du mal à vous croire, monsieur Leblanc. J'ai du mal à vous croire. C'est parce que vous saviez votre mari capable de violence que vous l'avez quitté ? Non, la seule personne qui me faisait peur, c'était moi. Didier m'a sorti de mon enfer. Il m'aime. Moi, j'ai jamais su si je l'aimais vraiment ou si c'était de la reconnaissance.
C'est si compliqué que ça? Savoir si on aime ou pas. C'est facile pour vous? L'homme que j'aime est mort. Ça peut prendre du temps d'aimer, non? Je sais pas. Chaque histoire est différente. C'est pour ça que vous êtes partie? Vous vouliez savoir si vous aimiez Didier? Après tout ce qu'il a fait pour moi, il m'a même pardonné jusqu'aux hommes avec qui j'ai couché pour du fric. Je me sentais obligée de l'aimer, c'était horrible, je tenais plus. Et maintenant? J'ai compris que je tenais à lui. Dès que j'ai su qu'il risquait de passer ses 20 prochaines années en prison. Je vous en supplie. Madame Leblanc, les preuves sont là. Le colonel a décidé de le déférer au parquet, je suis désolée. Non, c'est pas possible. Il est où, là? Il faut que je le voie. Didier. Je te demande pardon. J'aurais pas dû partir, c'est de ma faute. Lucie, Lucie, regarde-moi. J'ai pas tué Amalia, il faut que tu me crois. Et sois forte. Je vais avoir besoin de toi. Allez. Depuis un certain soir, où vous avez foutu en l'air un de vos fameux costumes sous ma douche, vous m'avez plus tellement surprise, mon colonel. Je pensais que vous n'étiez plus intéressé. Vraiment ? Colonel, qu'est-ce que je fais de Pierre Palardo? Relâchez-le, Bertie. Bertie, vous me filez un coup de main? On cherche quoi? Un méchant créancier, une très grosse dette, des menaces contre Stéphane Fabre, au choix. C'est quoi? Rien, j'espère. Ça, Arthur Morgan? T'en mal pas. C'est le conseiller fiscal de Stéphane Fabre. C'est lui qui s'est occupé de son dossier de surendettement. Et tu comptais m'en parler? Non, je comptais d'abord me renseigner. Voir si son témoignage peut nous servir à quelque chose. Très bien. L'État a été condamné pour procédure abusive. Ouais. Bien sûr. Bah, c'est surtout une grande victoire pour nous. Et je vous en prie, c'est mon travail. Mieux, ma croisade. Oui, bien sûr. Très bien. Au revoir. Désolé de vous recevoir entre deux coups de fil. Commandant Saint-Mathieu, cellule d'investigation criminelle. Merci de m'accorder cette entrevue. Oui. Quand j'ai su que ça concernait Stéphane, je vous en prie. J'espère pouvoir vous aider. Vous avez une piste? À vrai dire, je comptais plutôt sur vous pour ça. Ah oui, la liste de ses créanciers. Tenez. Merci. Je vous en ai fait une copie. Ça faisait 2 ans que Fabre ne payait plus rien? Ah oui, la triste histoire d'une dégringolade. Non seulement son entreprise est en redressement, mais il était lui-même en situation de faillite personnelle. Mmh.
Tenez, regardez. Qu'est-ce qu'il faisait avec ça? Il se préparait à quitter le pays pour un paradis fiscal. Il ne vous avait rien dit? Bien sûr que non. Non, non, j'allais tout faire pour le sortir de ce pétrin, légalement. Légalement, oui. Sans qu'il paye ses dettes. Stéphane était un entrepreneur doué, mais le système français, écrasant, archaïque, ne lui a pas laissé sa chance. L'un de ses créanciers aurait pu s'apercevoir qu'il voulait quitter la France. Si c'est le cas, le nom du coupable est là-dedans. Aucune idée. Son plus gros fournisseur possède une distillerie, Mark Walter. Il est connu pour ses méthodes un peu brutales dans les affaires. Bonne chance, commissaire. Mon commandant. On a retrouvé une bouteille de vodka vide sur le siège passager. Il s'est enfermé dans la voiture, il s'est asphyxié. Pour moi, c'est un suicide. Il s'est tué par lâcheté. C'est tout. Et il vous a pas laissé un mot pour expliquer son geste? Non, il n'a pas voulu m'en parler, mais... Mais sa garde à vue humiliante l'avait marqué. Ce serait pas plutôt à cause du scandale qu'elle a éclaté? Les journalistes ont été mis au courant de la garde à vue de Pierre. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Son passé allait ressurgir et... Il ne l'a pas supporté. Et comment il était hier soir? Il a débranché tous les téléphones, il n'a pas dit un mot la soirée. Ensuite, il a sorti une bouteille. Et là, je suis allée me coucher parce que je n'avais aucune envie de le voir se remettre à boire. Vous n'avez rien entendu la nuit dernière? Non. Du bruit dans le garage? Non, j'avais pris un somnifère. La nuit précédente, avec toutes ces histoires, je n'avais pas fermé l'œil. C'est le jardinier qui m'a réveillée. En fait, vous approuvez son geste, c'est ça? Il a fait ce qui s'imposait. Oui, j'ai regardé le dossier Palardo, je ne comprends pas ce qui vous retient de le classer. Palardo va être présenté comme une victime médiatique, et je veux pas de ça. J'ai un doute sur son suicide. Je voudrais faire une autopsie par la légiste de la CIC. On risque de nourrir encore plus l'appétit des médias. Très bien, écoutez, on a un accord toutes les deux. Hein. Vous me soutenez, je vous soutiens. Enfin bon, j'y crois pas beaucoup. Hein. Merci, madame la procureure. Bonjour, Omémori. Quoi? Omémori. Le repas est prêt, Jonas. Dis, papy, c'est la chambre de qui? C'était celle de ta maman, mais je vais la repeindre. J'aime bien comme ça, je peux la garder. Bon, on y va. Et puis, dans l'affaire Palardo, aucune précision n'a pour l'heure filtré sur le suicide de Pierre Palardo. Mais selon nos informations, son geste pourrait être en relation directe avec sa garde à vue. Garde à vue liée, je vous le rappelle, au meurtre de Maria. En réalité, Palardo avait très peu d'alcool dans le sang. Par contre, j'ai trouvé des traces d'un somnifère prescrit sur ordonnance, le dormibutal. Moi, pour Palardo, j'ai aucun remboursement, aucune prescription. Par contre, pour Elisabeth, si. Donc le dormibutal, c'était le sien. Mais ça ne prouve rien. Il a très bien pu se servir dans l'armoire à pharmacie. Pourquoi se trimballer avec une bouteille de vodka à moitié vide s'il en a presque pas bu? Non, c'est une mise en scène pour nous faire croire à un suicide, pour éviter une enquête approfondie. D'autant qu'on a pu lui introduire la bouteille de force, j'ai relevé des micro-contusions sur les lèvres et des hématomes sous les aisselles. On a traîné Palardo pour l'installer dans la voiture. Et cette nuit-là, Elisabeth était seule avec lui.
Entrez. Mon colonel, Marcel Albano est là. Il insiste pour vous parler, il est avec le petit Jonas. Il ne le ramène pas quand même. Oh non. Mais je crois que le petit a vu quelque chose concernant le meurtre de sa mère. Au bout d'un moment, j'ai fini par comprendre. La semaine dernière, Jonas a vu cette femme agresser sa mère devant chez eux. Des insultes, il y avait des gifles. J'étais assez violent pour qu'il n'oublie pas. Hein, Jonas? Merci, monsieur Almano. Berthier. Elisabeth Pallardo connaissait Amalia. Et si l'on en croit le petit, elle savait où elle habitait. Quel était son alibi pour le jour du meurtre? Elle faisait du shopping. Elle avait son portable puisque son mari l'a appelé. Ouais, c'est ce que je vérifie. Alors, quand son mari l'a appelé, elle se trouvait près du vieux port. Par contre, elle a reçu un SMS juste avant le meurtre. Elle était pas loin de chez Amalia. Comment vous saviez où habite Amalia? J'ai compris qui était Pierre après 2 ans de mariage. Lorsque la première plainte a été déposée contre lui, et depuis, je le fais surveiller. Vous passez derrière avec votre chéquier pour nettoyer les dégâts. Je ne vous permets pas de me juger. Vous supportiez ces écarts depuis si longtemps. Pourquoi Amalia? Mais 3 ans, ça n'avait jamais duré aussi longtemps. Et puis j'ai découvert qu'il lui donnait beaucoup d'argent. Un jour, une agence immobilière a appelé. En fait, Pierre cherchait un 3 pièces dans un quartier tranquille et... Et là, j'ai compris qu'il allait me quitter pour cette petite pute. Donc vous avez essayé de l'acheter? Vous êtes allé chez elle? Vous avez vu un homme sortir affolé? Et vous êtes rentré? Elle était par terre. Groggy, elle m'a vu, elle m'a demandé de l'aider à se relever. Et là, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai attrapé un coussin. Et en l'appuyant sur son visage, mais c'était comme si des années de tension s'envolaient, comme si toute ma souffrance partait. Et vous avez laissé votre mari porter le chapeau? Oui, je voulais qu'il souffre. Quand il est rentré? Moi, j'étais soulagée. Je me suis dit qu'on nous donnait une seconde chance, que... Moi, j'étais prête à lui pardonner s'il lui me pardonnait, et je lui ai tout dit. Et là, il a voulu que je me dénonce, il m'a dit que si je ne le sais pas, il le fera à ma place. Je ne vous ai pas menti sur une chose. Une fois Pierre endormi au volant de sa voiture, le moteur allumé, je me suis couchée tôt. Nage aussi bien que les cons. Attends, tu descends pas tout seul, Jules. Hop. Voilà. Bonjour. Allez. Coucou. Attention. Ça va? Bonjour. Oh, mais restez assis, je vous en prie. Oh, merci. Je peux? Oui, je vous en prie. Alors, comment ça se passe avec le petit? Oh, Jonas, c'est un petit garçon adorable. Il me rappelle Amalia au même âge. Dites-moi, je peux vous demander un conseil? Oui, bien sûr. Comment je vais faire plus tard pour lui expliquer ce qui est arrivé à sa maman? Moi, mon fils, je lui ai dit tout de suite. Et puis, je la mets souvent sur la tombe de son père. Monsieur Albano, la vérité, c'est dur au début, mais c'est la meilleure solution, je vous assure. Lui mentez jamais. Tu as vu Morgan? Mais putain, mais qu'est-ce qui t'a pris? C'était notre seule cartouche et toi tu l'as grillée. Arrête Bérénice, je sais très bien ce que je fais. Ah ça m'étonnerait, tu as un procès en cours. Est-ce que Morgan t'a dit que c'est lui qui s'est occupé personnellement d'effectuer le virement des fonds de Fabre aux Bahamas? Non, au contraire, il m'a dit de rien savoir sur le départ de Fabre. Il t'a menti. Commandant Saint-Mathieu.
Je ne m'attendais pas à vous revoir si vite. Si vous m'aviez tout dit, je n'aurais pas été obligé de revenir. Je vous demande pardon. C'est vous qui avez organisé les mouvements sur les comptes bancaires de Fabre. C'est vous qui l'avez aidé à s'enfuir. Et le faux passeport, c'est vous aussi. J'ai en effet procédé à un transfert de son épargne vers un paradis fiscal. C'est mon travail. Ça s'appelle de l'optimisation fiscale. Mais pour le reste, c'est vous qui dites. Je le prouverai. En étant suspendu de vos fonctions? Ça m'étonnerait beaucoup, ça, Mathieu. Ben oui, je me suis renseigné depuis votre visite. Vous usurpez vos fonctions? Un délit grave, ça. Mais j'ai surtout compris pourquoi vous vous obstinez à venir me voir. Vous êtes l'ex de Catherine? Ma visite n'a rien à voir avec Catherine. Estimez-vous heureux que je ne prévienne pas vos supérieurs? J'oublie votre démarche pour ne pas troubler Catherine, mais la prochaine fois, ça vous coûtera cher. Faites-moi confiance. Dure journée. Tu veux qu'on en parle? Bah écoute, je voudrais pas t'embêter avec ça, mais... Je quitte à l'instant un certain commandant Saint-Mathieu. Vincent? Il te voulait quoi? Il a prétexté une affaire en cours, je crois qu'il voulait mettre la pression. Le problème, c'est qu'il a été viré de la gendarmerie. Quoi? Ouais. Il a été mis en examen pour tentative d'homicide. Et je me demande s'il est pas en train de péter un câble. Il n'a pas cherché à te revoir, par hasard? Non. Tu me le dirais? Mais oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Rien pour l'instant, j'ai été clair avec lui. S'il continue, je porte plainte. Là? C'est moi. Un gendarme. Vincent Saint-Mathieu, tu dois connaître. Non, mais je sais qu'il est sur la touche. Ça n'empêche pas de tourner autour de moi. Il a une affaire d'homicide sur le dos. Je veux qu'il plonge. Tu peux faire ça pour moi? Très bien. Si tu l'as, ton petit peu papoule. Oh, tu parles. Comment tu parles? Enquête réservée, ne laissez rien passer. Pour mieux connaître votre série, découvrez Bonus, Bêtisier et Jeux en ligne sur France3.fr.